Aujourd'hui, je vais vous montrer deux exercices à faire assis, debout, allongé, ça va être plus compliqué, dans des transports en commun, même en voiture quand vous êtes à l'arrêt, pour venir décontracter le long de votre nuque, l'étirer et éviter que vos cervicales viennent coincer tous les nerfs qu'il y a, dont le nerf trijumeau qui irradie l'œil, l'oreille et qui passe par la mâchoire et qui peut devenir très très douloureux si il se contracte. Alors, le premier exercice va tout simplement consister à avoir envie de reculer votre menton. Donc, c'est pas le baisser, hein. Si on le recule, ça vient étirer derrière au niveau des omoplates. On sent qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément une posture, une position qu'on peut maintenir dans la vie de tous les jours, hein. Mais quand on est souvent dans des écrans à regarder comme ça, ou à forcer sur notre voix, ou à porter des charges lourdes, et on se retrouve complètement déséquilibré, eh bien, de prendre le temps, quelquefois dans la journée, de... On souffle et on ramène sa nuque vers l'arrière, ça vient étirer toute votre colonne cervicale. Respirez. Très bien. Détendez. Puis on va venir étirer le long de la nuque du cou qui vient étirer les trapèzes jusque dans les épaules par un mouvement où vous choisissez une oreille et une épaule. Donc moi je vais parler droite, oreille droite, épaule droite. Et votre volonté, c'est que votre oreille s'écarte en biais, dans l'oblique, en diagonale par rapport à votre épaule droite. L'autre côté, vous n'y pensez même pas. Et vous venez, voilà, abaisser un petit peu votre épaule, venez tirer dans l'oblique. Certaines personnes ont besoin, pour s'aider dans cet exercice, de pousser un petit peu le bras droit sur le côté. Pour d'autres, ce n'est pas agréable et vous préférerez, avoir votre main sur vos cuisses, ce qui est très bien aussi. Voilà. Détendez-vous, ne venez pas cambrer le dos en même temps que vous faites cet exercice pour éviter de cambrer. Je reviens au centre. Ayez bien les pieds au sol. Avancez-vous au niveau de votre chaise, ça vient faire un peu basculer votre bassin. Et n'hésitez pas à serrer votre périnée. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, venez tout étirer. Et donc vous avez vu ces deux petits exercices, vous pouvez les faire n'importe où, ça ne demande aucun matériel, ça ne demande absolument pas d'avoir 20 minutes devant soi, mais quelques respirations menton rentré, quelques respirations dans cet étirement de chaque côté, ça suffit amplement pour protéger votre nuque. Protégez vos cervicales. Si vous le souhaitez, à la fin de cet exercice, vous pouvez faire des petits cercles d'épaule vers l'arrière. Voilà, laissez-vous détendre. Et vous pouvez également monter à l'inspire et en soufflant bien fort, tout relâcher. Monte. Relâchez. Montez. Relâchez. Vous pouvez également, toujours dans cette notion de vous protéger, de vous libérer de tensions inutiles, soupirer. Voilà. Ça, le soupir vient d'emblée amener un relâchement musculaire. Voilà, très bien. Parfait.
Voilà pour les petits exercices du jour que vous retrouverez dans la fiche à télécharger gratuitement. Vous aurez également une fiche bonus qui accompagne cette fiche-là et vous aurez accès à un programme gratuit de 30 jours ou environ tous les deux jours. Je vous envoie une vidéo avec sa fiche pour prendre soin de vous dans votre entièreté, votre corps, vos émotions, votre voix, votre état d'esprit afin de rester zen et prof. Allez, je vous dis à très vite. Vous pouvez commenter bien évidemment, liker, partager, tout ce qu'on fait généralement sur les vidéos YouTube. Je vous laisse mon email dans la description si vous voulez me poser des questions plus directement ou être en lien plus direct avec moi. J'y répondrai bien volontiers. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Portez-vous bien et à très bientôt. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.